essaye de rester droit, bien gainé, on descend doucement, on garde le bassin horizontal et les bras descendent le plus bas possible. Le genou est déverrouillé sur la jambe d'appui et on remonte. On en fait 4. On descend, là, on maintient et on remonte. 3 et 4. On change de côté. Pareil, la position de départ est très importante. Là, on déverrouille le genou de la jambe d'appui et on remonte. On reste 2 secondes en bas. On remonte. Troisième. Dernière. On mobilise un peu. Là, on amène le genou vers la poitrine. On serre les omoplates derrière et on va chercher l'appui devant. On descend bien, on monte les bras, on ouvre et là on va tourner en ramenant le talon au sol. Et on garde l'équilibre en gardant les bras alignés par rapport aux jambes. On revient et on descend le bassin à nouveau. Et on revient. L'autre côté. Pareil, on maintient, on est gainé, bien stable, on rentre le nombril, on serre les omoplates, on va chercher loin devant, on descend bien, la posture est bien stable, le bassin bas, on ouvre les bras, on ramène le talon au sol, on reste bien aligné, on maintient pendant 5 secondes, on revient. Et on étire à nouveau le psoas. On revient se placer. Quelques rotations. On engage un peu le bassin. Là, on passe au sol. On remet un coup sur les mollets, on rapproche le talon le plus proche possible du sol, on garde les bras alignés avec le tronc, on lève l'autre jambe et là on va venir faire une extension de cheville complète et on redescend. Extension complète et on redescend, le talon est le plus proche possible du sol. Encore, troisième, on redescend et quatrième et on redescend. L'autre côté, pareil, le genou légèrement déverrouillé, on monte et on redescend en étirant. On monte, on redescend, troisième, dernière. Ok, on reste au sol, on mobilise les ischios. On étire les ischios, main derrière la tête, on descend le buste bien droit, on fléchit un peu le genou pour descendre un peu plus bas et on revient. De l'autre côté, pareil, buste bien droit, on remonte, on fléchit un peu le genou. Et on remonte. C'est bon, on finit juste par un peu de mobilité thoracique. Là, on est en position quadrupédique. On met une main derrière la tête, on descend vers le coude et on remonte en essayant d'aligner le bras avec, avec l'autre bras. On redescend, on en fait 4. Change de côté. C'est bon ça.